Le politique n'est pas impuissant par rapport à la finance. Il a des contraintes, comme il a des contraintes par rapport à. Enfin, les pouvoirs publics, c'est fait pour, comment dire, pour gérer des contraintes et des potentialités. Finalement, on peut dire aussi que c'est le peuple qui détient la finance. Beaucoup de fonds de pension et tous ces grands fonds qui sont critiqués parce qu'on dit que leurs capitaux passent d'un pays à l'autre, ils appartiennent à des fonds de travailleurs la plupart du temps. Donc ça n'est pas la finance qui est l'ennemi du peuple, c'est la distance qu'il y a entre les investisseurs et les objets que l'on veut financer qui sont l'ennemi de ceux qu'on veut financer. Je suis une entreprise, je lance un appel à la finance internationale ou à la finance de mon pays pour dire j'ai un besoin, quel est l'investisseur qui veut répondre à mon besoin? D'accord? Donc cet investisseur-là, il ne vous connaît pas, il ne sait pas qui vous êtes. C'est différent de la banque qui tous les jours a l'état de votre compte en banque et qui peut savoir si vous gérez correctement en bonne mère ou bon père de famille votre argent et qui donc dispose déjà d'informations sur vous. La finance, elle n'en dispose pas. Donc la finance, elle travaille avec des grandes bases de données qui doivent être nourries au fur et à mesure. Et on comprend assez spontanément que ces bases de données, pour les nourrir, ça coûte de l'argent. Et par ailleurs, il y a des tas d'organisations qui, spontanément, ne sont pas prises en compte dans ces bases de données parce que ce sont des organisations atypiques, ce sont par exemple des formes associatives, ce sont des formes de biens communs non marchands. Et du coup, ça revient à ce que je disais précédemment, à savoir qu'à chaque fois qu'on a des objets à financer qui sont différents les uns des autres, il faut réfléchir à une forme d'organisation financière et des soutiens financiers qui soient différenciés. On essaye de montrer que parfois, le circuit direct du producteur au consommateur est plus efficace que le circuit qui fait intervenir beaucoup d'intermédiaires parce que les intermédiaires renchérissent le prix. Eh bien, pour l'argent, c'est pareil. Si vous multipliez les intermédiaires, chaque intermédiaire va devoir, un, bien sûr, se rémunérer au passage de l'argent et deux, se garantir. Il y a beaucoup d'appels à de la finance participative, il y a aussi des appels à des fonds pour développer certaines formes économiques dans les territoires. Eh bien, on constate que les gens sont prêts à se mobiliser de façon plus différenciée, peut-être plus forte, avec peut-être des risques un peu différents à vérifier, que si on leur demande de financer des choses qui sont loin de chez eux et dont ils ont simplement l'impression qu'ils auront peut-être de moindres retours. Voilà, donc ce sont des ajustements et des tâtonnements successifs. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'on résoudra tous les problèmes, par exemple, qui ont trait à la transition énergétique ou financement de la transition énergétique avec ça, mais ça peut être en tout cas, ce sont en tout cas des solutions possibles.